Voilà, magnifique, hein, vague, une belle vague. Voilà. Zéro, quoi. Zéro XP, qu'on ne peut pas faire pire, quoi. Zéro XP. C'est pas beau, ça? Zéro XP, quoi. Putain, mais c'est honteux, c'est honteux. On nous prend trop pour des cons dans ce jeu, mais c'est phénoménal. Plus ça va, plus c'est pire, quoi. C'est de pire en pire, quoi. Oh là là, truc de dingue. Ah, il fait chier ce culture automatique de merde. Alors, comment ils vont dire? Putain, c'est abusé, quoi. Depuis qu'ils ont fait la mise à jour, je peux me dire que c'est pire. Franchement, j'ai la version japonaise. Je peux vous dire qu'avec 900 gemmes, j'ai eu un Vlad et j'ai eu un, ça s'appelle un ninja. Là, sur votre code français que j'ai fait, rien, que de la merde. Et nous, sur notre serveur français, je peux vous dire qu'on se fait vraiment arnaquer, mais pire que tout, quoi. Zéro. Nul. Zéro, quoi. Putain. Pété de rire, mais d'énerve. C'est un truc de dingue quand même, zéro quoi, zéro XP, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Cent cinquante gemmes, je sais plus. Je vais vous montrer un peu mon jeu, parce que je râle, mais bon, voilà, mon petit grain de vigne aussi, c'est sur mon petit Duc Pimpin.
Bon, ouais, vous allez me dire Drain de vie, machin, mais je peux vous dire que Drain de vie, pour lui, c'est mieux que Fou Furieux, machin comme ça, parce que ça sert à rien en fin de compte. Parce que quand je fais des raids ou quoi, je l'envoie en premier, je laisse monter un peu son niveau, son skill. Une fois que c'est fait, j'envoie mes héros derrière, puis il envoie direct. Après, il est tout le temps en train de reprendre sa vie. Après, en gravure, j'ai mis Pot de Pierre niveau 3, comme ça il est solide, il résiste, il est résistant, et il dure beaucoup plus longtemps que la plupart de mes héros. Je l'ai monté à 6, et c'est très utile, franchement, je peux vous garantir que moi, je suis avec lui, même avec son skill, avec son drain de vie, c'est parfait. Je pense que c'est le mieux, parce qu'après, tout le monde cherche des fous furieux, mais c'est pas utile sur un héros qui tape vite. Même s'il se retrouve face à des ennemis, son skill monte encore bien plus vite quand il prend des coups, donc c'est pas utile, en fait. Personnellement, c'est pas très utile. Une fois qu'il est lancé, après, ça arrache tout. Papa Noël, bon, de toute façon, je peux toujours me brosser pour avoir un fou furieux niveau 5. Ça, vous verrez, j'ai quasiment que les mêmes talents. J'ai toujours les mêmes talents en général, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. En gravure, bon, j'ai eu un ralenti niveau 3. Pratique, utile. Mon petit Vlad, ben, j'ai mis dieu de guerre. De toute façon, j'ai pas le choix parce que j'ai pas eu mieux. J'ai eu que des dieux de guerre niveau 5. Donc, je l'ai monté à 6, plutôt pas mal. J'ai mis un drain de vie en écu. Parfait aussi, c'est nickel chrome. Là pour le classique druide, bon, j'ai trouvé Rovida 3, bon, j'ai mis GLC pour l'instant, ça suffit. Et j'ai mis un fou furieux, un écusson, comme ça il tape un peu. Bon, lui je suis content, j'ai eu un Rovita 4, mais bon j'aurai jamais le 5, mais déjà Rovita 4 je suis plutôt content. Vu tous les talents identiques que j'ai, je peux vous dire que j'aurai jamais un talent niveau 5 en Rovita, ça c'est sûr et certain. Parce que je peux vous dire que je l'ai claqué des gemmes pour avoir des trucs. Et j'ai mis 2 de guerre. J'en ai un niveau 3, mais c'est pas. De toute façon, il sert à rien. C'est juste pour avoir un peu plus d'impact. Là, Cupid, pareil, j'ai Revita 3. Bon, on peut pas avoir mieux de toute façon. Bon, Revita 3, c'est correct. Normalement, quoi, j'ai mis un Revita en écu. Mais des fois, je change. Ça dépend de ce que j'en fais. Là, quand je l'utilise pas, quand en arène, je mets ça. Sinon, je mets une version niveau 2. Ou quand j'utilise en raid, je mets un pot de pierre niveau 2. Soit plus solide. Alors lui, bah en talent je sais pas quoi mettre, j'ai eu un pot de pierre 5, bah j'ai dit je vais lui mettre ça, comme ça en plus il a pas mal de PV, plus la solidité de ça, donc ça l'aura encore plus solide. Dès que je peux je monte à 6, ça sera pas mal, et en écusson j'ai mis un dispersé, c'est bien quand il se retrouve face aux ennemis, il les affaiblit un peu. Mon petit Authenticore, un de mes détestés que je détestais, mais en fait maintenant je le kiffe parce qu'en fait il est tellement parfait là, quand vous le mettez en champ de bataille. Ben, j'ai garde enflammé niveau 5, on peut pas faire mieux, plus son skill, je peux vous dire qu'il tape. Et en écusson, j'ai mis un garde enflammé niveau 3. C'est vrai que quand il prend des coups, en fait il déglingue à chaque fois tout le monde. Je vous montrerai la composition que j'ai en champ de bataille, mais j'ai déjà tout fait pour aujourd'hui. Bon, pareil, j'ai pas pu faire mieux que Revita 3 sur le bélier, peut pas jamais mieux quoi. En écusson, ben, la Revita 2, ça compense, on va dire, plus ou moins. Démoniste, ben, démoniste, comme vous le savez, avec ça, il réduit la vitesse de déplacement des ennemis, tout ça, donc dispersé, c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et en écusson, j'ai mis la même chose, dispersé. De toute façon, vous verrez, j'ai tout le temps les mêmes, de toute façon, donc. Là, je suis content, parce que je trouvais Fureur du Ciel, mais bon, après, c'est pas utile, parce que c'est que 20% de chance de faire quelque chose. Donc, c'est toujours approximatif, qu'on peut pas vraiment. C'est pas vraiment un très bon talent, Fureur du Ciel, c'est pas extra, quoi. Et j'ai mis Ténacité en écusson niveau 3, ce qui est correct. Il lui faut des PV, de toute façon. Bah, si je peux trouver la même chose en talent, en niveau 5, je changerai direct. Bon, le paladin, je l'utilise plus vraiment. Bah, pareil, j'avais trop de pot de pierre, pour lui c'est parfait aussi, puisque c'est un tank. Bon, après, j'avais mis un garde enflammé aussi, mais j'ai mis ça pour faire de la place en fait, parce que j'utilise pas en fait, c'était juste pour faire de la place pour dire. Voilà. Bah, le ninja, bon, pareil, voilà, j'ai pas mis en fou furieux, donc j'ai que le 3 pour l'instant. Dès que je peux, je passe son skill à 5 pour les arènes, sinon j'utilise que pour l'arène. Et voilà, j'ai mis un fou furieux en niveau 2, en écusson, pareil pour l'arène, sinon c'est le mieux. Voilà, j'ai mis un Revita à 4, je sais, vous allez dire rien, mais. Pour le boss, c'est ce qu'il y a de mieux, ça je le stun direct, et c'est correct, et en écusson j'ai mis un 1. Pour lui c'est bien, de toute façon j'utilise que pour ça. C'est un peu du gaspillage parce que ben, je l'ai eu, en fait,
Je l'ai eu plus tard et en fait, à l'origine, je sais ce que je voulais sur lui, je voulais un bon Revita. Du coup, j'ai eu le 4 et j'ai pas hésité. Et j'aurais préféré mettre sur le bélier, mais bon, je pensais surtout Ziyash, au boss, donc du coup, j'ai préféré mettre sur lui. Dieu du tonnerre, voilà, dieu de guerre encore, c'est le troisième que vous avez vu tout à l'heure, je crois, le deuxième. Mais j'ai quasiment que de ça, donc que de ça, quoi. Bon, j'ai mis ça, j'avais Fou Furieux niveau 3, donc je préférais mettre ça, c'est mieux, ça fait plus d'impact. Et j'ai mis en écusson la même chose. Ouais, encore une fois, dieu de guerre, j'ai toujours le même quasiment. Alors, du coup, j'ai mis sur lui, bon, hop, lui, ben, je l'utilise pas trop. Au début, je le mettais en champ de bataille, ou du coup, je l'ai mis de côté. Mais je vais quand même l'utiliser pour les expéditions. L'Imhotep, pareil, je l'utilise en champ de bataille. Ben, j'ai un Revit à 3, on peut faire mieux. Et j'ai mis un dispersé pour réduire un peu l'énergie de l'ennemi. Ouais, dispersé niveau 5, c'est parfait pour elle. Comme vous voyez, c'est mon deuxième ou mon troisième, vous allez voir sur les autres, pareil. Alors, du coup, ben, pour l'instant, les 400 même, parce que je l'ai eu récemment, je l'ai pas eu longtemps. Ben, ça, je l'ai eu dans les œufs, mais j'en ai eu une autre en tirage rôle, j'étais dégoûté. Franchement, ça m'avait foutu les boules, quoi, d'avoir deux fois, une fois dans les œufs, une fois dans le rôle, quoi, ça fait chier. J'ai mis pot de pierre, et bon, c'est en attendant, mais quand je la mets en champ de bataille, je lui mets un dispersé. Ou soit ça, ou soit, je sais plus le nom de l'autre, je vais regarder vite fait. Ouais, regardez, Dieu de guerre encore une fois, elle avait Revita, j'ai changé plusieurs fois, elle avait un Revita un coup, elle avait un Fou Furieux 3, bah. J'ai dit meute Dieu de guerre, de toute façon, niveau 5, que j'allais pas le jeter, ça aurait été du gaspillage, et j'ai mis, comment ça s'appelle déjà ça? Oh merde, oh, noob, le con, le niveau 2, mais faut que elle, je la passe en 20 pour pouvoir lui mettre un affaiblir, je crois, non pas affaiblir, c'est ça affaiblir, on va vérifier, normalement ça affaiblir, ouais, c'est ça affaiblir. Mettre un niveau 2 comme ça il ira plus vite sur la cible. Là je l'ai à 120 comme ça va être nickel. Snozilla, lui je l'ai eu d'office avec un Revita 3 donc j'ai essayé. Moi j'ai mis ça mais je l'utilise pas trop donc en fait lui je l'utilise dans les expéditions mais sinon je l'utilise jamais en fait. Dans la collection quoi. Trentor, ben, le Trentor j'ai eu ça d'office, le rempart, je l'ai essayé. J'aimerais bien trouver ça, ouais, par contre ce serait bien d'en trouver un niveau 5 puisque le up, parce que ça rempart c'est pas mal utile. Et j'ai mis un écusson niveau 1, je crois que je l'ai en niveau 2 mais j'ai pas assez il est pas assez haut pour l'utiliser mais je l'utilise pareil rarement et uniquement en expédition. Sirenia, ben, je l'ai eu deux fois dans un même tirage. Du coup j'ai gardé celle qui avait un plus gros talent, j'ai sacrifié elle, elle avait l'autre je crois qu'elle avait un garde enflammé niveau 1, un truc vraiment pourri quoi. C'est pas pourri mais faut que c'était garde enflammé, je sais plus. Alors, du coup j'ai gardé celle qui avait ressuscité 5. Ça, bon, après je l'ai eu il y a pas longtemps aussi pareil. Il y a une semaine, j'ai mis de côté parce que pour le moment, je vais pas. Il faut que je up tous les autres parce que sinon, c'est trop long. Je crois qu'elle a pas d'écusson. Voilà, j'ai up sur lui. Par contre, voilà, j'en ai un deuxième. Je sais pas si je vais le garder parce que j'ai quand même un Revita 3 dessus. Ça peut être bien pour le champ de bataille aussi si je le up en Revita 3. Il est glingue direct, mais bon, après l'autre, celui que j'ai en premier, il est aussi bien en fait. Du coup, peut-être que je vais le garder comme ça pour monter en puissance, mais je vais pas me prendre la tête. Non, il a rien parce qu'il est pas en niveau. Ouais, dispersé encore une fois, j'ai dû le mettre dessus parce que je voulais pas le gaspiller. Donc ça, à chaque fois pareil, j'ai tout le temps les mêmes trucs. C'est chiant, quoi. Ténacité, j'ai eu une ténacité sur elle, ouais, je l'ai eu deux fois, une fois dans la première fois dans le rôle, une fois dans les œufs, je l'ai quand même gardé, c'est des héros rares. À part pour Sirenia, bon, c'est pas grave, je vais pas en avoir 36. Peut-être je vais la up et la donner à sacrifice à l'autre, je sais pas, je verrai. Voilà, pas de truc, hein. Bon, j'ai quand même des talents assez élevés, mais mine de rien, parce que bon, je roule assez souvent les talents. Là, j'ai un pot de pierre, bon. Après, j'ai changé, là, l'explosion de 5, je mets ça à la place de ce petit, je l'utilise pas, de toute façon. Frappe étale, bon, j'utilise jamais. Elle, par contre, en fait, elle, la reine serpent, elle a un bon skill, elle a un très très bon skill. C'est un peu l'équivalent de l'Imhotep. Alors, bon, j'ai mis l'affaiblir parce que je l'avais pas jeté, 5, là, j'ai mis niveau 5. Mais il est vrai que elle peut faire mal. Elle peut vraiment faire mal si on la up bien, comme on son pouvoir. Elle peut vraiment très vraiment faire mal à la reine serpent. On n'a pas de gravure, je vais le sacrifier. Après la sorcière de givre, ouais, drain de vie, pareil, j'ai des bons talents quand même, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et je l'ai mis sur elle pour le boss 4. Elle réduit la vitesse et tout. Après pareil, bon j'ai mis ça en attendant parce que je sais pas quoi mettre. Mais dispersé, de toute façon, quand on le fera plus souvent, le boss 4, j'aurai plein de héros avec des dispersés, ça va être carrément formidable. Et puis l'ange, ouais, je l'ai gardé aussi, avec un ressuscité, parce que des fois, si j'ai mon druide qui meurt, moi, je dois être de côté au cas où.
La gravure, bon, j'ai mis ça en attendant. C'est pour passer le truc. Voilà. Le prochain niveau. J'en ai quand même pas mal des prochains niveaux. Ça va, j'ai une bonne petite liste en bas. Après, voilà, j'aurais préféré les fous furieux, mais bon, c'est abusé comme on n'en trouve jamais, quoi. C'est. À part des fous furieux 2, 3. Franchement, c'est vraiment un foutage de gueule, je trouve. Je trouve que depuis la dernière mise à jour, ils ont vraiment, vraiment. Ils se sont vraiment foutus de nous, les Français, sur le serveur français. C'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment abusé. Ils abusent vraiment de notre gueule. Moi, personnellement, j'ai vraiment un reproche à faire, c'est vraiment ça. C'est des vagues, attendez, je fais la vague K, juste au début de la vidéo, 0 XP, quoi. En sachant que bientôt, ils vont faire la mise à jour pour pouvoir monter les nouveaux héros après niveau 200. Ben, légendaire, à l'origine, c'est orange, c'est pas bleu, c'est pas violet, mais bon. Pour IGG, on va, c'est comme ça, on s'en fout. Ah si, à chaque fois ils me font des vagues à 0 XP ou à 500 000 mana, c'est systématique, hein. Systématiquement, j'ai que des trucs pourris comme ça. Toutes les vagues que je fais depuis la dernière mise à jour, c'est que du mana, de l'or, je pense que c'est aberrant, c'est aberrant. On va faire un tour dans mon bordel. Là, j'ai gardé les boucles, je garde maximum, allez, un peu les écussons que j'ai, pas mal de revita. J'ai encore quand même pas mal de quoi faire. Après les comment ça s'appelle là, les rouabes, les brûlures, ça je les jette, je les garde pas parce que ça vaut rien, de toute façon c'est que 10% de chance de faire un truc. Je le prends pas la tête, je les garde pas. Après celui-là des cuissons par contre il sert strictement à rien parce que de toute façon on n'aura jamais les 4 entiers, ça c'est vraiment pour se foutre de la gueule du monde. C'est vraiment pour se foutre de notre gueule, sérieux. Faut que ça abuse. Après, coup puissant, ouais, je l'utilise pour le boss, je le mets sur le druide. Il y a des fois ça marche, des fois il met des coups, donc ça lui fait un petit chaos supplémentaire, c'est toujours ça. C'est toujours ça. J'ai deux pierres, ah, je vais vous montrer ma compo en fait, ouais. Hop. Champ de bataille. Ah, je montre, hop. J'ai aussi tout. Pareil, carte de revitalisation, des cartes de talent, ça va faire presque 20 jours, j'en ai pas eu. Voilà, je suis à 488. Ma formation. Là, cette formation-là, je peux vous dire, elle fait mal. C'est pas des héros très puissants, vous voyez, je suis à 5100. Mais avec lui, là, le Mino, lui, qui est revita 4, dès qu'il arrive, il en met KO. Elle a un dispersé. Lui, il a un dispersé, le... Il vient disperser. Derrière, une fois qu'il a lancé son skill, le mage, il fait mal. Et après, l'Atlanticor, lui, une fois qu'il est vénère, de toute façon, dès qu'on le frappe, il prend des dégâts directs. Donc, en général, il monte vite son skill et bim. Généralement, cette compo-là, elle gagne. Je la mets en premier, en fait. Après, la secondaire, je varie. Je mets soit celle-là. C'est pas forcément la meilleure, mais comme lui, pareil, le champion la revit à 4, il met 3 petits KO avec lui qui envoie son. Puisqu'il a le bélier, il a une écusson plus son revit à 3, donc ça va, c'est correct. Père Noël qui envoie. Et là j'ai mis E. Vous voyez, c'est pas non plus les meilleurs, mais c'est pas mal. Parce que lui le guerrier de la mort, là, le chevalier de la mort, il est solide. Plus son pot de pierre, donc il résiste assez bien. Lui le immortel puis la revit à 3. Donc dès qu'il approche, il envoie un peu le coma. Du tonnerre, il envoie son coma. Du citrouille, comme il est résistant, puis il régénère sa vie assez vite. Donc il tient bien. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai bien évolué. J'ai pas mal évolué. Là, j'ai fait 2 jours. Et en 2 jours, j'ai fait 488. La dernière fois, j'étais. Ah, ça va se passer. Je vais plus voir. J'étais à 700, 800, j'arrive pas à dépasser pour l'instant, ça va venir. On va retourner. Je suis assez content, j'ai pas mal évolué, je suis à 1100, j'ai déjà acheté une première fois. Franchement, mettre vraiment des talents pourris. Sur le serveur japonais, les mecs ils ont des fous furieux, ils ont vraiment des bons talents. Moi j'ai eu un ralenti pour un mois d'économie, quoi. C'est une honte. C'est franchement, c'est honteux. C'est vraiment une honte. On se fout trop de notre gueule. Ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait chier parce que
J'y joue tous les jours, j'y suis collé 24 heures quasiment sur 24. Je vois vraiment tout, tout, tout. Et les gens qui sont sur Facebook à la ramener sans arrêt, arrêter de râler, mais les mecs, tu te connectes 2 heures par jour, tu sais pas, toi, tu vois pas ce qui se passe dans le jeu. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Moi, j'y suis collé tout le temps, et je vois très bien le manège. Je vois les petites mises à jour, les petits trucs en sous qui font que sans que personne s'en aperçoive, moi franchement, j'y suis toujours dessus, donc je vois très bien ce qui se passe. Et je suis pas dupe. Donc je vais aller faire un tour sur le serveur, sur mon autre compte secondaire, hop, vite fait. Ça c'est le compte français évidemment, donc il n'y a pas de héros légendaire, évidemment, c'est logique. Tout à fait logique, hein, pas forcément. Voilà, bon, j'ai fait des rôles, hein, j'ai fait quelques rôles. J'ai pas mis de sous, je vais vous montrer, j'ai juste fait quelques gemmes gratuites pour essayer de choper les 200 gemmes là. Mais bon, je crois j'avais mis de côté, j'avais pas mal de gemmes, j'ai eu aucun légendaire, je crois que j'ai claqué 1000, il y avait 1500, un truc comme ça. Même pas de légendaire, j'ai eu que dalle. Je pense que c'est abusé quoi. Voilà, serveur français qu'on a vraiment pris pour 10 gags quoi. Voilà, bon, les héros sont pourris, hein. Mais pas pourris parce que après il y avait. Bon, les talents c'est merdique. Merdique. Lui, c'est merdique. Alors, Rovita 5, ça, quand j'ai sorti ce héros, j'ai vu Rovita 5, comment j'ai eu la rage de mettre des Rovita 5 sur des héros de merde, quoi. Alors, quand t'as du légendaire, t'es obligé de rouler. Ça, c'est vraiment pour faire chier, c'est vraiment pour vous mettre un doigt dans le cul, quoi, pour être honnête. Hein. Des trucs de merde, bon. Après, voilà, vous voyez bien que. Vraiment, pour le prendre pour des chibrons, quoi. Bon, après, il n'y a rien de spécial. Je vais vous montrer, vous voyez, sur la version japonaise. Vous montrer, je suis pas plus, hein, j'ai pas mon plus monté. J'avais 2700 sur ce compte en puissance, et sur celui-là, il y a exactement la même chose, c'est pareil. Mais avec 850 gemmes, j'ai eu le Vlad, j'ai eu le Ninja, quoi, c'est abusé. Les vagues, pareil, y a pas de, ils ont pas de mana, rien, aucun, ils ont rien. Je vais vous montrer, je vais faire une vague, on essaie de faire la baie. Bon, ça devrait passer. Mais il n'y a pas de mana quoi. Nous on sape du mana sans arrêt, même des 0 XP quoi, c'est formidable quoi, c'est magnifique, c'est dingue. Je sais pas, j'espère que ça va passer. Avec le Vlad, normalement ça devrait. Bon, Ninja il crève tout le temps. Mais ça me fait chier parce que voilà, nous on est vraiment à la dernière roue du carrosse quoi. Sur notre gueule ils se font le fric quoi, parce que nous on dit rien, dans ce pays on dit rien. On n'a pas de réchauffe, on n'a pas de couilles, quoi. C'est pour ça qu'on se fait toujours arnaquer dans ce pays. Même le Play Plus sur PS4, c'est 19 € maintenant, c'est devenu le plus cher, quoi. C'est magnifique, quoi. Ouais. Et tous les autres pays, là, le Japon, tout ça, ben, ils ont plein de gratuités, ils ont plein de trucs gratuits. Grâce à qui? Ben, grâce à la France et aux Français qui payent comme des blaireaux. Répète-le, ton château. C'est pareil, ça. Ça, c'est le truc le plus casse-couille dans le jeu, c'est ça. Ça va, c'est un héros. Ça aurait été un soldat, c'était perdu. Le mec qui se bouge l'oignon, hein, pète-le, ce truc, là. C'est ça que vous regardez la plupart des héros légendaires, des héros élites, et des ordinaires, ils sont quasiment tous similaires. C'est juste qu'ils ont des pouvoirs quasiment similaires, certains. Juste qu'ils ont été différemment tournés, c'est tout. Ouais, bon, je crois que c'est perdu. Et que ce con, il va rester tout seul. Voilà pour 800 gemmes, quoi. J'ai eu le Vlad et le Ninja. Je crois qu'il a crevé, il est là. Ah là là, le maraudeur quoi. Ça va qu'il a une bonne frappe, de toute façon ça se pète vite fait. J'espère qu'il va vite se bouger le cul là, qu'il va prendre le bim bam boum. La chaîne, j'aurais pas perdu direct là, je serais pas débile. Allez, assommez-le là, allez-y tous dessus là. On finisse. Allez, le bouclier ça vous rappelle rien. Bouclier de protection. Alors, déjà, 500 XP. Et vous verrez que sur la version japonaise, ils ont pas autant de mana que nous. Nous, c'est sans arrêt. Moi, franchement, depuis ces dernières mises à jour, c'est sans arrêt, quoi.
Sans arrêt, on pourrait, vous savez qu'on a le droit de porter plainte contre inégalité entre pays, on a le droit de porter plainte en vrai, on pourrait porter plainte contre eux, pour les inégalités entre pays, parce que franchement ils se foutent trop de notre gueule quoi, c'est aberrant, c'est une honte, franchement c'est une honte, bon, le ninja va crever comme d'hab, s'il est pourri, il vaut rien, j'aurais préféré un druide à la limite ou un paladin qu'un ninja de merde. Sauf celui, c'est grâce à Vlad que je gagne les matchs. Vous savez, 900 XP. Et vous allez voir, il y a 0, 0 mana. 0 mana, 0. Or, que des XP, ils ont. Putain, ça m'étonne qu'ils. Ça m'étonne pas, ils montent vite. Ils ont tout. Ils ont la facilité, quoi. C'est comme les Américains, hein, franchement. Ils ont la facilité. Hein. C'est juste parce qu'ils sont mauvais, c'est tout. Ils sont obligés d'avoir les jeux avant, ils sont obligés d'avoir tout avant parce qu'ils sont nuls à chier. Moi, je pense que c'est Vlad qui va tout faire, je pense. Ouais, 1000 XP quoi. Non, je crois que c'est de l'or. 10 000 or. Mais bon. Néanmoins, toutes les vagues que j'ai fait là, franchement, c'est. J'ai eu une seule fois du mana en, je crois, en 10 vagues, en 2-3 jours. J'ai eu une seule fois du mana et une seule fois de l'or. Et généralement, c'est que des XP. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que de ça. Et là, franchement, sur la version française, on est vraiment. C'est vraiment abusé quoi. Alors quand je pense qu'ils ont fait la mise à jour pour monter des héros au niveau cheaté, la vraie couleur légendaire orange. Ah, c'est des XP que vous avez vu. Normalement, si je me trompe pas. Bon, j'espère qu'il va résister. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. Normalement, il va crever. Ouais, il va crever, tant pis. Bah, de toute façon, c'est pas grave, il en quitte, ça sert à rien. Voilà, il y a eu or et mana. Ouais, bah, c'est la première fois que ça le fait, parce que d'habitude, j'ai que des XP dans le jeu. M'a fait mentir, quoi, pour me faire chier. Mais bon, on se fait arnaquer. Ça, c'est clair et net, c'est. On se fait arnaquer. On n'a pas du tout les mêmes chances. Absolument pas. En tout cas, quand vous êtes des joueurs qui commencent au tout début. Franchement, c'est une galère quoi. Parce que vous êtes sûr, vous êtes quasiment sûr que vous n'avez pas de, que vous n'aurez pas de héros. Alors à moins de payer cher et de mettre direct 50 balles ou 30 balles, je sais pas. Vous montrer un peu les événements. Ils ont plein d'événements, pas mal d'événements gratuits. Après, ils ont quasiment les mêmes, mais je vais vous montrer des événements. Ils sont les mêmes que les nôtres, mais. Ils n'ont pas du tout pas du tout les mêmes récompenses. Ils ont plus de, ils ont de meilleures récompenses. Eh ouais, tu vas t'ouvrir, il va pas s'ouvrir comme par hasard. Parce qu'il doit être fini. Ah si, tant qu'il bug. Bon, carte de machin. Les IH. Allez, 10 000. Vous voyez, 10 000 IH. Nous, on en gagne combien? 3 000. Vous voyez ce que je veux dire? 3 000 IH. Nous on en a 3 000, eux ils en ont 10 000. Voilà, déjà ça, les inégalités comme ça. Ça, pareil, les cristaux rouges. Vraiment, j'aimerais bien avoir 1 000 cristaux rouges en plus. Alors, les 1 000 cristaux rouges, 1 000. Nous on n'a jamais ça, on n'a pas ça. Non. Allez, 100 000 cristaux verts, bleus. C'est ça, 100 000, je lis bien. Je vais mettre 0. Ouais, 100 000 cristaux bleus. J'aimerais bien les avoir pour le champ de bataille. Hein. 25 livres, alors, nous on en a quoi? Peut-être une dizaine. Carte de héros légendaire, nous on n'a pas la carte de héros légendaire à 16 000, on n'a rien, on n'a pas de ça. Ouais, des pierres, ouais, 5 pierres, 5 runes. Drain de vie level 3, nous c'est quoi? C'est des level 2 maximum, enfin level 1 maximum, level 2. Ouais, vous voyez un peu les inégalités, les trucs qu'on a. Franchement, on a le droit de porter plainte contre IGG pour ça, pour les inégalités entre les joueurs. Entre les joueurs, les pays, c'est quand même le même jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même jeu. C'est exactement le même jeu. Ils n'ont pas le droit de pipoter comme ça. Ils n'ont pas le droit, normalement, ils n'ont pas le droit. Ah, vous voyez, ça, c'est un événement. Bon, je sais pas lire le japonais, mais je pense qu'il y aura un truc avec l'identifiant. Rentrez un code, et vous avez des chances de gagner soit un héros, soit plein de trucs. Nous, on l'a pas, ça nous fait. Nous, on nous fait payer, on nous fait raquer, on nous fait banquer. Et personne ne dit rien, les gens ils sont complètement abrutis. On va voir c'est quoi ça.
Non mais je viens de la voir, c'était tout d'avance. Quoi? Ouais, ils avaient un événement aussi. Celui-là. Bon, nous aussi on a des événements comme ça, mais eux c'est quasiment tout le temps. Nous c'est une fois de temps en temps, vous voyez, ça c'est des événements spéciaux. Nous on a ça une fois par an, voire deux fois, des trucs gratuits. Eux ils l'ont peut-être tous les 15 jours, tous les 3 semaines, ils ont tout gratuit. Là c'était là les bah, j'ai raté les deux premiers jours, après je sais pas ce que c'est dans les 3 pas, tant pis. Mais là j'ai eu des tomes d'XP bleu rose là, j'en ai eu 10 et 10. Et là je pense que soit ça va être une carte légendaire, soit ça, je sais pas. Après je peux pas, je lis pas le japonais donc je sais pas. On verra ça à minuit. Vous montrer combien j'en ai. Ouais je vois ça 20, 18. Il me reste 18, j'en ai utilisé deux pour monter Vlad et l'autre boulet. Ça va améliorer, on va améliorer. Je ferais bien un rôle pour avoir. Il me sortait un légendaire, c'est pour faire chier. Des chances, hein. Franchement, il y a des chances, hein. On verra bien. Enfin, bon, de toute façon, avec ça, peut-être que j'aurais eu 500 gemmes, je suis sûr que j'aurais fait un ou deux rôles, j'aurais eu quelque chose. On va monter qui? Ouais, le ninjouille, là. Voilà. Enfoiré. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été, vous aura ouvert un peu les yeux. Et voilà, j'espère que ça vous aura un peu ouvert les yeux parce que franchement, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, qui vont vraiment pas du tout dans ce jeu. C'est vraiment abusif. C'est vraiment abusif. Sur mon compte, voilà. Moi je me suis fait éclater comme d'hab. Un jeu tu quittes 5 minutes, hein, tu fais plus vériser quoi. Ils se sont fait déboîter. On va regarder comment je me suis fait déboîter. À mon avis c'est un héros up. Ouais si c'est plaisir drapeau et tout, c'est dit il va bander. Elle direct la magie. Parce que sans la magie en vrai c'est la merde. Bah, le Vlad il pétait sans Vlad. Et il a quand même dépensé pas mal de sous-sous, monsieur, hein. Il y a le destroyer. Il y a le machin, là, comment ça s'appelle, là. Le bordel, là. Souffle truc bidule, là, souffle destructeur. J'aimerais bien l'avoir, mais bon, après, je cours pas après, je m'en fous. Parce qu'on peut l'avoir que dans les œufs, donc, il y a vraiment de faibles chances de l'avoir. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas, je cours pas après, quoi. Je cours pas après, je vous montre. Bah, j'ai pas mal dépensé, ouais, je suis pas loin aussi. Hein. J'ai pas mal. Pas mal de bon, je pense que je vais m'arrêter là, les cristaux bleus, les roses, je m'en fous. C'est bon, en fait, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu le compte. J'ai ce qu'il faut, quoi. C'est là que j'arrive à monter tout ça, parce qu'il y a encore dans les tours. Mais bon, vu à coût de 0 XP, vous voyez, ça a super monté, quoi. Je vais super aller vite, quoi, à coût de 0 XP. Les fragments, bon, j'en ai claqué. J'en ai pas. Ouais, j'en ai 2000, j'en ai dépensé pas mal déjà. Ça va vite après avec les torches, tout ça, ça va assez vite. On a une bonne team, on est bien, 174. Mais les dons, ça va, vous voyez, ça donne quand même. Alors, nous, on est dans les 6000. Non, ce que je fais, arène, je suis dans les 90. Voilà, on est là, on est 174 en puissance. Ça, c'est 143, c'est plutôt correct. Moi, j'évolue pas mal aussi dans la guilde, ça bouge pas mal. Après, voilà, quand vous mettez des sous, forcément, vous évoluez plus vite, hein, mieux, hein, c'est évident, c'est logique. Si vous mettez rien, vous ramez, quoi, c'est. Le but de ce jeu, c'est ça, de toute façon. Si vous mettez pas un sou dedans, vous ramez. À moins d'avoir une chance de cocu, mais bon, faut pas espérer là-dessus, parce que. Ils parlent de système aléatoire, mais ils ont une drôle de conception du aléatoire, quand même. Hein. Là, les vagues, elles sont pas aléatoires, elles sont calculées. Toutes les vagues que j'ai fait depuis ces dernières semaines, ces derniers jours, puis dans la mise à jour, de toute façon, c'est clair. Hein. J'ai fait 10 vagues, j'ai dû avoir peut-être 3 vagues sur les 10, avec que des XP. Et encore, il y a du mana entre les deux, ils sont camouflés entre les deux. Mais sinon, c'était que du mana quasiment tout le temps.
La plupart du temps, c'était ça. Voilà. Bon, mais je vous remercie de d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça ouvre un peu vos yeux. Vous allez un peu voir le système, comment on nous arnaque un peu. Dis, faites un compte japonais, mettez l'autre côté, pendant un mois ou deux, vous le laissez, puis un jour, vous y revenez. Et vous faites des rôles de gemme, vous verrez que vous allez avoir des héros légendaires. C'est quasi sûr. Bah allez, je vous dis à plus tard, les gens. Et j'espère que vous allez un peu comprendre qu'on nous arnaque de trop, beaucoup trop. Allez, salut!